Oh, non, 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 non. C'est pas trop si je dois commencer par sourire, rire ou pleurer. C'est inadmissible. C'est pas normal. On est tous d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous tous, vous allez commencer à aller dire, oh, la sorcellerie, oh, le showbiz. Il n'y a pas de problème de showbiz. Il n'y a pas de problème de showbiz. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Le showbiz camerounais n'a aucun problème. Vous allez sortir dire, oh, le showbiz, oh, les humoristes n'ont rien fait. Vous allez dire que Blaise avait quel bris, il n'avait aucun bris. Il n'avait aucun bris, on galérait tous. Vous êtes au courant de ça parce que c'est quelqu'un qui était connu. Le showbiz a fait en sorte qu'il a un nom et le petit nom a fait en sorte que quand ça t'arrive, du coup, tout le monde est au courant. Vous n'avez pas de route, on n'a pas de route, on n'a pas de route. Sur une autoroute, tu n'auras. On dit une autoroute ou une autoroute. Je suis même énervé, je ne sais pas. C'est une autoroute ou une autoroute? C'est une autoroute? Une autoroute. Tu ne vas jamais entrer en collision avec un bus situé sur l'autoroute parce qu'il ne va venir, il ne va jamais se retrouver sur ton côté. Tu ne vas jamais entrer en collision avec un bus si tu es sur l'autoroute. On n'a pas de route. C'est ça le problème. On n'a pas de route. Donc du coup, que tu sois du showbiz ou quoi que ce soit, dès que tu prends la route, si tu ne pries pas, c'est l'accident de circulation qui va te réveiller. Il n'y a que Dieu pour nous protéger à ce moment-là. Là, je me réveille, je sais pas trop si je dois commencer à parler en chinois, en anglais, en arabe, ainsi de suite. Blaise, tu vas où? Et tout le problème, ils vont encore se lever tous, mettre la bouche sur le showbiz. Ils vont se lever tous, mettre la bouche sur les artistes, sur les comédiens, oh les humoristes, oh les humoristes. Oui, on peut tous mourir de la même manière tant qu'on n'aura pas de route. Tant qu'on ne va pas continuer, on ne va pas mettre l'accent sur les visites techniques des voitures. Tant qu'on ne va pas mettre l'accent sur la qualité des permis de conduire. Tant qu'on ne va pas mettre les contrôles sur nos routes. J'ai préféré la classifier. Ça dit que donner tous les détails. Je dis la première cause de la mort par accident de circulation au Cameroun, c'est les routes, l'état des routes. Ça dit en termes de dimension, en termes de qualité. Deuxième, c'est la qualité des voitures, visite technique. Tu pars à la visite technique, tu te commets 2 000 ou 3 000 ou 10 000, on te délivre la visite technique, même si la voiture n'est pas en état. Troisième, la qualité de nos permis de conduire. Regardez comment on obtient le permis de conduire. Même si tu veux le permis de conduire, tu es à la maison, le permis de conduire, on te donne le permis de conduire. Quatrième, il n'y a aucune sécurité en route. Il n'y a pas à chaque moment la police pour dire, voilà, pour au moins dissuader les gens d'accélérer. On va tous pleurer. On va tous pleurer. Et ça ne va louper personne. C'est-à-dire que toi qui vas venir commenter la vidéo, la venir m'engueuler parce que, oh, quoi, sache que tu vas prendre la même route. On va tous prendre la même route. Restons là, ne disons rien. Continuons de voir nos morts s'aligner. Quand c'est un gars qui a un peu le nom, ça veut dire que c'est quelqu'un de connu. Là, on met sur la sorcellerie. Mais les pauvres personnes meurent tout le temps. J'ai dit, les pauvres personnes meurent sur le temps dans l'incognito. Et ce n'est pas qui meurt petit. Blaise Paraba vient de partir avec quatre personnes dans la même voiture. La semaine surpassée. C'est-à-dire qu'avant Samy, qui est en train de faire trop le buzz, que les gens viennent chercher les murs avant Samy. La semaine surpassée, c'était 22 personnes dans le cadre de Miss. Déchiquetées comme quoi. En début du mois de juin, c'était 19 personnes au même cadre de la même famille. Ça, c'était avant Cabernet Namdi. On va pas parler de Miss Ngacho, on va pas parler. Tout ça, l'accident est vraiment. Ça va.